Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour la présentation de Arena for the God. Donc un jeu qui m'a été envoyé par mon partenaire Yellow. Donc c'est un jeu qui a été créé par Maxime Rambourg et illustré par Paul Mafaillon. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus pour une durée approximative de 30 minutes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est pas forcément de regarder les règles intégrales. On va faire la mise en place à la fin de la partie pour vous montrer une vue d'ensemble. Ludovox l'a très bien fait en 6 minutes, donc je vous renvoie sur le lien en haut à droite de cet écran. Mais écoutez, ce qu'on va faire, on va unboxer Arena for the God. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Vous voyez, très très belle illustration. Un peu glacé, un léger relief, sympathique. Donc nous avons, dans un premier temps, le livret des règles. Petit format, donc qui contient approximativement 19 pages. Je ne sais pas approximativement, c'est 19 pages, voilà. On a quelques exemples de scénarios. Bon, mais tout ce qui est caractéristiques de combat, les mises en place, etc. Du roulement de la partie. Voilà pour les règles. Nous avons ensuite alors des petites tours à monter où on pourra pousser nos adversaires contre ces tours pointues qui vont leur enlever des points de vie. Donc on en a 6 apparemment. Donc là nous avons les points, les personnages du jeu qui vont combattre. Là effectivement ça sera des malus au dé qu'on infligera à l'adversaire qui nous enlèvera des dés pour combattre et se défendre. Alors là nous avons des mines, toujours les petits pions malus que nous viendrons ficher sur le paravent du personnage. Alors là, nous avons quoi? Nous avons le plateau de jeu. Hop, voilà, où nous allons venir poser nos combattants qui vont combattre, bien sûr, hein, le background est d'attirer la faveur des dieux, donc ils vont combattre pour les dieux dans une arène, d'où le titre Arena for the God. Alors nous avons des petits socles pour venir mettre nos personnages en carton et les différents paravents de nos combattants. Alors vous pouvez voir qu'il y a du thème, là c'est un thème plutôt maya, là ça serait plutôt dans le style viking, chinois, là je dirais que c'est plutôt hindou, grec et égyptien. Vous voyez, donc on a le choix de nos combattants dans différentes cultures, donc c'est des paravents qui vont être pliés et mis devant soi avec un petit rappel des règles avec des dés. Voilà, donc vous l'avez compris, ça se joue aussi avec des dés. Donc nous avons les pions points de vie qui iront dans une petite coupelle. Voilà, tout ça est bien sympathique. Nous avons les cartes, donc nous allons jeter un petit coup d'œil aux cartes. Alors dans le jeu nous aurons 4 différents types de cartes que nous devrons acquérir en misant des points de vie hein, derrière son paravent hein. Secrètement on va miser des points de vie, on va pouvoir récupérer des armes en fonction, bien sûr celui qui a misé le plus va récupérer, aura le choix à récupérer son arme. Donc dans un premier temps nous avons donc 4 types différents de cartes. Tout ce qui est bouclier, armure, tout ce qui est attaque, hein, donc tout ce qui est armes, épée, etc. Nous pourrons chevaucher des montures et nous aurons la possibilité de lancer des sorts. Donc voilà les 4 différents types de cartes, bleu, rouge, verte et jaune. Donc j'ai oublié de vous montrer les dés qui vont être jetés en début de tour. Hein, pour le joueur actif, et on devra combiner des symboles que je vais vous montrer au niveau des cartes. Donc admettons, on va prendre une carte arme qu'on a acquise avec nos points de vie en misant, comme je le disais. Donc là on va jeter les dés, hop, par exemple, et on va combiner les symboles qui sont ici, c'est à dire on devra pour l'utiliser avoir ce résultat ici.
Donc là, comme un sort, et là le symbole de l'arme. Donc on va venir positionner ces dés sur sa carte pour montrer qu'on va l'activer et on regarde l'effet qui est en dessous. Donc faire perdre un point de vie à un héros à distance. Voilà, donc c'est un tir à distance, déplacer eux d'une case, donc parce qu'on peut pousser nos adversaires. Donc c'est pareil pour tout ce qui est sort et monture, hein. On regarde quels sont les symboles à utiliser pour ces cartes-là. Dans cet exemple, par exemple, je dis bah tiens, je peux activer cette carte. Donc je fais son effet, j'active celle-là une fois. Donc je dis à l'adversaire, voilà, faites un déplacement, effectuez une relance. Donc ça, c'est pour la monture, me semble-t-il. Ouais, c'est la monture. Non, c'est la défense, pardon, bouclier. Et il nous reste ça dans notre réserve, hein, parce qu'on a jeté les dés en début de partie, en début de tour, et on pourra réactiver une seconde fois cette arme-là. Voilà, d'après ce que j'en ai compris. Et ça va être basé tout au long du jeu. On pourra infliger des malus à l'adversaire pour qu'il jette moins de dés, etc. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une mise en place, une vue globale, et puis je reviens tout de suite. Alors voici la présentation de la mise en place de Arena for the God. Donc sur le côté, on a mis nos cartes d'équipement. Chaque joueur a choisi un personnage avec son petit paravent, hein, qui lui correspond. Il prend 20 points de vie dans la réserve qui est ici. À savoir qu'on va y inclure également les jetons fatigue et les jetons en bleu protection qui auront une influence sur le jeu. Si admettons un joueur prend un jeton fatigue infligé par un autre joueur, eh bien dans ce cas-là il viendra le clipper sur son paravent. Ça voudra dire qu'il jettera un dé de moins lors de son tour de jeu pour faire des effets sur ses équipements. Nous allons placer les différents pièges, fontaines de vie et tours en fonction du scénario qu'on aura choisi dans le livret des règles. Ensuite, on va faire rentrer, pas tout de suite, procédons par étapes. Pour l'instant, les gladiateurs des dieux ne rentrent pas encore dans l'arène. On va simplement voir combien on est de joueurs autour de la table, et en fonction de ça, on va prendre les cartes armes. Vous voyez un petit 1, donc on va commencer par ça. On va en mettre 2 devant le plateau de jeu, et chaque joueur, en l'occurrence là on est 2, va miser des points de vie pour obtenir ses équipements. Alors admettons, moi j'en choisis 4 secrètement que je tiens dans ma main, l'autre joueur en choisit 2 secrètement, et on va tous révéler nos mises, hein, de points de vie. Donc là c'est moi qui gagne parce que j'en ai 4, mon adversaire en a 2, donc je choisis l'équipement qui m'intéresse. Admettons, le marteau de Thor m'intéresse, je le récupère et je mets mes points de vie dans la réserve, ainsi que mon adversaire donc va récupérer ce qui lui reste, et il va prendre la foudre de Zeus. Voilà, et on va faire ça avec toutes les cartes, à savoir qu'une fois que tout le monde a choisi un équipement de chaque type, eh ben, on va défausser définitivement ces cartes. Hop, on va les remettre dans la boîte, admettons. Hein, hop. Donc, ce qui nous fera une carte de chaque équipement, entre les sorts, les armures, les armes, etc., les montures. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir jouer. Donc effectivement, là succinctement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va chacun jeter un dé en veillant qu'on n'ait pas de jeton fatigue sur notre paravent. Donc je jette mes dés et je vais voir quel type de combinaison je peux faire au niveau de mes cartes. Admettons, là je peux utiliser Sleipnir. Hop, donc j'utilise 2 cartes, je fais son effet, donc je pousse un héros adjacent et je fais un déplacement jusqu'à utilisation de toutes nos activations au niveau des cartes. Voilà, à savoir que si, admettons, j'aurais eu ce résultat-là, j'aurais pu utiliser une fois mon équipement. À savoir que je le paye donc avec ce symbole là et je pourrais éventuellement l'utiliser une deuxième fois, parce qu'on paye avec le résultat des dés et les symboles qu'on obtient, comme je disais tout à l'heure. Voilà,
En gros, comment ça se passe au niveau du jeu. Donc on va combattre, on va se pousser, on va pouvoir récupérer des points de vie dans les fontaines de vie, et jusqu'à ce qu'un joueur perde tous ses points de vie. Une fois qu'il a perdu tous ses points de vie, il révèle son paravent et chaque joueur va baisser son paravent. Et ça va être celui qui a le plus de points de vie en fin de partie qui va gagner la faveur des dieux. Voilà un petit peu le but. Quoi rajouter de plus? J'oublie effectivement, lors de l'achat des cartes, si vous êtes à égalité, admettons que vous misez chacun 4 points de vie, bah dans ce cas-là, vous pourrez négocier ou choisir, ou éventuellement, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, bah vous mélangez les cartes et hop, vous prenez au hasard. Voilà, c'est une façon d'aller plus vite au niveau du choix des équipements. Donc voilà, vous allez vous déplacer, vous allez heurter les poteaux. Alors, c'est un jeu qui se joue aussi bien dans différents modes, comme du seul contre tous, ou éventuellement par équipe, ou alors voilà, chacun de son côté. Donc ça promet des belles parties sympathiques en perspective, avec quand même de très belles illustrations. Donc c'est vraiment c'est chouette. Donc on a le rappel des règles sur le paravent. On a les icônes également qui nous rappellent quel type d'équipement c'est. Donc là, en l'occurrence, c'est un sort, c'est très reconnaissable. Voilà, bah écoutez, je vais pas aller plus loin dans ce jeu qui est fort sympathique, un petit jeu familial hein, de baston devant l'arène des dieux pour acquérir leur faveur. Bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, à savoir que je vais vous présenter prochainement Star Realms Colony Wars de Yellow toujours. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!